Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online sur Next Gen pour faire part d'une vidéo très particulière. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, la neige est revenue sur GTA 5 Online. Alors je viens tout juste de me connecter avec Vanger pour trouver un glitch et on est tombé dans une session où il y avait de la neige. Alors le gameplay vient de Vanger car moi mon HDP vert bugué, donc by bug, donc j'ai pas pu enregistrer un gameplay, donc lui il a pu enregistrer un gameplay et je vous offre un gameplay de neige sur GTA 5 Online. Alors le gameplay date du 1er avril 2015. Foncez vite sur vos consoles pour pouvoir avoir cette neige, faire des batailles de boules de neige, etc. avec vos amis, histoire que vous puissiez rigoler. Moi j'étais assez choqué de voir cette neige apparaître d'un seul coup dans notre session. Foncez vite sur vos consoles pour pouvoir aller jouer avec cette neige. J'espère que cette vidéo d'information très très courte vous aura fait plaisir. N'oubliez pas de lâcher un petit like et un petit partage, ça me ferait vraiment super plaisir. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao, bye bye tout le monde. Don't stop the body rock. Stop the body rock. Bien évidemment, c'est une blague, c'était un poisson d'avril, la neige n'est pas revenue sur GTA 5 Online. Ce gameplay date d'il y a très très longtemps, c'est un gameplay que Vanger avait enregistré. J'espère quand même que cette petite blague vous aura fait plaisir. Je sais que j'ai mis le petit message à la fin de la vidéo, c'était fait exprès, comme ça toutes les personnes vont se précipiter sur leur console afin d'avoir et de jouer avec la neige. Malheureusement, c'est une blague, j'espère que vous aurez quand même appréciez cela. Vous, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo et que vous avez compris que c'était un poisson d'avril, mettez dans l'espace commentaire hashtag troll, mais ne dites pas dans l'espace commentaire que c'est un poisson d'avril, voir à peu près combien de personnes vont tomber dans le panneau, etc. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de lâcher un petit like et un petit partage, ça me ferait vraiment super plaisir. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao bye bye tout le monde.